un nouvel espace numérique de travail, donc nouveau pour les élèves, pour les parents et aussi pour les enseignants. Donc développé et proposé par le département, donc il s'appelle Arsène 76, et va permettre aux élèves de connaître toute l'actualité concernant le collège, le département, mais aussi des informations qui seront sur le site académique du rectorat. Au collège de Bon Secours, nous avons eu l'occasion avec les élèves de 6e de leur présenter ce nouvel outil informatique qui viendra faciliter les relations entre les professeurs, les familles, les élèves, pour leur permettre à ces élèves de connaître l'évolution de leurs notes, aux parents de pouvoir être par un blog en direct avec les professeurs. Et donc c'est le 21e siècle, au rendez-vous des 110 collèges du département, puisqu'aujourd'hui, à la rentrée 2016, les 110 collèges du département sont équipés d'Arsène 76, et donc c'est pour les 50 000 collégiens de notre beau département de la Seine-Maritime l'occasion de bénéficier des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour mieux appréhender les enjeux majeurs qu'ils auront à voir dans les années à venir. Ils vont avoir un espace sur lequel ils pourront s'exprimer avec leurs enseignants, échanger des documents. Parfois, même s'ils le désirent, rendre des devoirs aux enseignants. Il va permettre aux élèves de connaître leurs résultats concernant leurs compétences, leurs notes, les évaluations. Permettre également donc de connaître les devoirs qu'il y aura à faire à la maison ou le contenu en fait des séances réalisé avec les enseignants. Il aura accès à toutes les informations donc, de l'établissement, tous les événements à venir, agenda, etc. Mais il servira aussi de porte-document, c'est-à-dire qu'un élève aura la possibilité de mettre ses documents qu'il pensera nécessaires en fait, pour suivre sa scolarité dans les meilleures conditions possibles. Moi, je suis responsable du département depuis un peu plus d'un an et demi, donc j'ai souhaité accélérer le mouvement. À la rentrée dernière, en 2015, une bonne partie des collèges a été équipée. Et puis, à cette rentrée 2016, le reste des collèges l'a été également pour permettre, encore une fois, à ce que tous les collèges, sans exception, soient aujourd'hui équipés en informatique, en ENT.